La dernière chanson, puis La peine de frimer, c'est une chanson électrique que je fais avec un groupe électrique habituellement. Mais là, j'ai voulu la faire dépouillée, acoustique, à cause du révérend Gary Davis. Le révérend Gary Davis, c'est à lui que j'ai dédié la chanson. Et c'était un pasteur noir, aveugle, guitariste exceptionnel, avec un gros feeling qui chantait au coin des rues, c'était son plaisir. Ça l'empêchait pas de chanter dans les festivals. Il était un peu connu. Certains groupes comme Otuna ou Grateful Dead ont repris des titres à lui. Mais bon, il n'était pas connu, quoi. C'était un mec inconnu. Et finalement, c'était l'essentiel, quoi. Avec sa guitare tout seul, il chantait l'essentiel, il chantait le feeling. Disons qu'à travers lui aussi, j'aime bien rendre hommage à toutes ces musiques des racines, les musiques black des racines, le blues, le gospel, le reggae, le rhythm and blues, le jazz, et même j'ai dit le reggae, oui, je l'ai dit, et qui sont pour moi des sources à laquelle, une source principale, la musique noire, l'arbre, le tronc de l'arbre, quoi, auquel il faut toujours revenir et se ressourcer et pour se laver les oreilles de toute la pollution sonore académique qui déferle, quoi, comme un fleuve et qui noie tout le paysage audiovisuel dans lequel on est baigné, quoi. Et bon, c'est ça, plus la peine de frimer, c'est l'essentiel, quoi, enfin, l'homme, quoi, le profond, quoi, le feeling. Sa Gibson, aveugle octogénaire, il braillait plus personne. Qu'est-ce qu'il braillait? I'll be alright, I'll be alright, I'll be alright someday. I'll be alright.
jour où il est mort, Satan voulut le faire taire, mais il paraît si fort, tout au fond de l'enfer, qu'au bout de quelques instants, il l'a laissé partir, en chantant Alléluia, Alléluia avec tous les martyrs. En chantant Alléluia, Alléluia, Alléluia avec tous les martyrs. En chantant Alléluia, Alléluia.